Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Ta grâce, ta présence, et pour ce moment, je vais me soumettre à ton autorité, à ta gloire. Et laisse que l'onction de ta présence se manifeste maintenant même. Par à quelqu'un, manifeste ta gloire et glorifie Jésus. Nous voulons détruire toute œuvre, toute activité de l'ennemi. Et nous proclamons ton nom et ton règne, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Pour le contrôle de ce lieu, que ce lieu soit purifié, sanctifié, et que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Lisons le verset 26 au verset 28. Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est dans notre ressemblance qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Et Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Regardons ce texte, allons-y dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 15, il est dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, chapitre 1er, le verset 3. Il est dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. On peut s'arrêter là. Je voudrais parler ce soir de l'image de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, l'image de Dieu. L'image de Dieu. Regarde encore, dis-lui l'image de Dieu. L'image de Dieu. Une dernière fois, l'image de Dieu. L'image de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu, au commencement, il y avait Dieu. Amen. Au commencement, ce n'était pas Satan. Au commencement, ce n'était pas le diable. Au commencement, ce n'était pas le mal. Mais au commencement, c'était Dieu. Amen. J'ai le texte de Genèse chapitre 1, le verset 1er, qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, amen. La Bible, le livre de la Genèse, le livre de commencement, nous présente déjà Dieu. Et vous allez voir que le dernier livre aussi, qui est l'Apocalypse, on nous parle aussi de Dieu. On nous parle de lui comme étoile, l'étoile brillante du matin. Amen. Donc, au commencement, il y a Dieu. À la fin, il y a Dieu, et au milieu aussi, il y a Dieu. Amen. Quel que soit tout ce que le diable, tout ce que nous pouvons vivre, expérimenter sur cette terre, sachez une chose, qu'au commencement, puisque c'était Dieu, il y aura aussi une fin avec Dieu. Amen. Et je suis venu dire à une personne ce soir, que quelle que soit ta vie, ta situation, ce que tu peux expérimenter, Dieu va changer les choses. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, avant de commencer quelque chose dans le physique, il avait déjà terminé la chose dans le spirituel. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je suis venu dire à une personne, avant que Dieu le termine, il a déjà commencé. Amen. Donc, tu ne saisis pas encore, mais tu vas me comprendre tout à l'heure. Dis-lui au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Tu es parti voir le médecin, on t'a dit, au commencement, tu as le diabète. Tu es parti, je ne sais pas, à l'école, on te dit, tu as échoué. Mais moi, je suis venu te dire, au commencement, Dieu, et puisqu'il y a Dieu,
tu vas réussir. Amen. Plus que Dieu, tu vas exceller. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Et la Bible dit que Dieu créa les cieux. C'est-à-dire qu'il crée le ciel. Quand on parle des cieux, on voit toutes les créatures célestes. On voit les anges, on voit les trônes, on voit les dignités. On voit les merveilleuses choses que Dieu a créées. Les choses spirituelles que tes yeux ne peuvent voir, que tes mains ne peuvent toucher, mais qui existent. Laissez-moi dire à une personne, en dehors du monde visible que tu peux voir, que tu peux sentir, que tu peux toucher, il y a un monde spirituel, un monde merveilleux, un monde magnifique, là où Dieu règne, là où il y a les saints, là où il y a les anges, et ce monde existe, et c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et Dieu crée la terre avec un but de déposer sur la terre un homme, une personne qui allait être comme lui. C'est-à-dire que Dieu voulait régner au ciel et il voulait que l'homme puisse régner sur la terre. Tel il est, tel aussi l'homme devait être. Regardez ce qui va se passer. On nous dira que la terre va devenir informe et vide. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que Dieu ne peut jamais créer quelque chose de mauvais. Dieu ne peut jamais créer quelque chose d'informe et de vide. Et selon certains commentateurs, il semblerait qu'il y a eu à ce moment-là la chute de Satan. Vous voyez, Satan a été précipité du ciel sur la terre et sa chute a entraîné le chaos. Sa chute a entraîné les ténèbres spirituelles. Sa chute a amené toutes sortes de mauvaises choses. La raison pour laquelle il y avait comme la confusion. Au point où Dieu ne pouvait plus agir, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais comme Dieu avait un plan pour la terre, comme Dieu voulait mettre ta vie sur cette terre, pour que tu brilles, tu rayonnes, Dieu va commencer d'abord par séparer la lumière d'avec les ténèbres. Car Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je voulais dire à une personne, quelle que soit la durée des ténèbres dans ta vie, quelle que soit la durée des difficultés, des problèmes, quel que soit le règne de Satan, des démons, des sorciers, aujourd'hui Dieu dit que la lumière soit et la lumière vient. Vous savez, cette lumière n'a rien à voir avec le soleil, la lune, parce que le soleil, la lune ont été créés le quatrième jour. Cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Cette lumière n'est rien d'autre que la personne même de Dieu, parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière, lorsqu'elle vient, les ténèbres fuient. Cette lumière, lorsqu'elle arrive, elle chasse tout ce qui est mauvais. Et je suis venu prophétiser dans cette église la fin du règne des ténèbres et le début du règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Qui a ton ami, la lumière vient. La lumière vient. Qui veut vivre la gloire de Dieu? Amen. La lumière, c'est la gloire. Amen. La lumière, c'est la Shekinah. La lumière, c'est la main de Dieu. La lumière, c'est la faveur de Dieu. La lumière, c'est la visitation de Dieu. La lumière, c'est la restauration. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la délivrance. Car lorsqu'il a la lumière, il est délivré. Les chaînes tombent. Les liens sont brisés. Elle n'est plus liée captive. La main de Dieu arrive sans le saut. Oh, je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Parce que la lumière de Dieu est arrivée. Soit amen. Et la lumière fut. Come on. Alléluia. Amen. Amen. Chandoro Shandala. Embro Sakaraba. Embro Kama Sandaraba. Embro Kama Sandaraba. Et Dieu va commencer l'œuvre de la création. Le premier jour, Dieu va créer. Le deuxième jour, Dieu va créer. Le troisième jour, Dieu va créer. Le quatrième jour, Dieu va créer. Le cinquième jour, Dieu va créer. Arrivé au sixième jour, Dieu dit, après avoir créé toutes ces choses, je veux créer maintenant mon représentant. Je veux créer mon ambassadeur. Je veux créer celui ou celle qui va me représenter sur la terre. Il dit, alléluia. Il dit, faisons l'homme. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'unité. Se sont engagés, c'est engagé comme un seul homme, comme une seule personne, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Alléluia. Entre Dieu et les hommes. Et la Bible déclare, il dit, faisons l'homme à notre image, oh mon Dieu, à notre image, à notre
ressemblance. Cela veut dire tel que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, à part les aspects de la divinité, parce que Dieu seul est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout en même temps. Dieu seul est omniscient. Il est le seul qui sait toutes choses. Dieu seul est omnipotent. Il est le seul qui a toute puissance. Mais en dehors de ses attributs liés à Dieu, Dieu t'a créé aussi avec son image. Il t'a créé avec son caractère. C'est-à-dire une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie, alléluia, de sagesse, une vie de plénitude, une vie de distinction, une vie de gloire. Parce que la Bible dit sa présence est la gloire. Christ en nous, l'espérance est la gloire. Oh, la gloire, c'est le poids. La gloire, c'est le poids. La gloire, en hébreu, c'est kabod, qui veut dire poids. Dans la gloire, en grec, c'est doxa, qui parle de l'excellence, de la perfection. C'est-à-dire, tu n'as pas été créé pour être vilain. Oh, regarde-toi comment tu es beau. Regarde-toi comment tu es belle. Est-ce que tu parles avec toi ce soir? Tu n'as pas été créé pour être pauvre. Tu as été créé pour être dans la richesse. Tu as été créé. Je ne parle pas de l'argent monnaie, je parle de la richesse de Dieu, je parle de la sagesse de Dieu, je parle de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, je parle de la pureté, je parle de la sanctification, je parle de la nature de Dieu. Tu vas dégager le parfum de Jésus. Tu dégages le parfum. C'est-à-dire quand les animaux regardent Adam, ils disent non. La girafe regarde le chèvre, regarde le lion. Il dit, mais non, nous avons tous été créés de la poussière de la terre. Mais la différence, c'est que l'homme a été créé aussi à partir de la poussière de la terre, comme les animaux. Mais dans l'homme, Dieu a soufflé. Amen. Mais déclare que l'éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla. Le souffle de Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il est allumé l'âme, et la vie de l'âme, l'homme est devenu une âme vivante, il a eu l'image de Dieu, il était à la ressemblance de Dieu. Quand l'homme marchait, il y avait la lumière qui sortait de lui, il était scintillant de gloire. Lorsqu'il marchait, même les serpents, même les lions, il avait peur. Mais aujourd'hui, tu as peur des lions, mes amis, ça va changer, parce que l'image de Dieu en toi va changer les choses. L'homme a été positionné au-dessus de la création. Dieu lui dit, il dit, afin qu'il domine. Dominer, c'est-à-dire régner. Afin qu'il règne. Tu as été créé pour régner, non sur les hommes, mais sur régner sur la nature. Tu vas régner sur les animaux. Tu vas régner sur les poissons. Tu vas régner sur les bêtes des champs. Tu vas régner sur les oiseaux. Tu es le roi, tu es le gouverneur de la terre. Je suis venu t'annoncer que tu as un gouvernement. Et Dieu te donne la clé. C'est toi qui as la clé pour le gouvernement de la terre. Tu ne peux plus dire je souffre. Non, si tu utilisais ce langage hier, ça doit changer. Parce que l'image de Dieu en toi va amener à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que quand Dieu t'a créé à son image, il avait déjà tout préparé, tout disposé. Et souvent dire à une personne, Dieu t'aime tellement qu'il t'a créé le dernier jour. Parce que le septième jour, c'était le repos. En réalité, le repos de Dieu correspond au premier jour de l'homme. Amen. Tu n'as pas compris. La Bible dit, nous rentrons dans le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Quand tu viens à Jésus, tu amènes tes idoles, tu amènes tes mauvaises choses, tu amènes tes péchés, tu amènes tout ce qui t'est fatigué, tout ce qui t'a lourdissé, tu amènes tes maladies, tu amènes tes problèmes, tu amènes tes soucis, tu amènes tes difficultés. Et Jésus les prend et Jésus te rend libre. En fait, tu rentres dans la vie chrétienne, dans la liberté. C'est pour la liberté que Jésus nous a franchi. Tu rentres dans la foi chrétienne avec la joie. Amen. Et regardez ce que Dieu va dire. Ce que j'aime, c'est que Dieu a créé non seulement l'homme, mais il a aussi créé la femme à son image. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que je peux voir la main des femmes? Amen.
Trop souvent les femmes ont été négligées. Trop souvent les femmes ont été écrasées. Amen. Mais Dieu donne la valeur aux femmes. Parce que vous êtes des femmes de puissance. Parce que vous êtes des femmes de valeur. Parce que Dieu, de la même manière, le diable est passé par la femme pour amener le péché dans le monde. De la même manière, Dieu a choisi une femme, Marie, pour que le Sauveur vienne. Je suis venu dire à toutes les femmes, vous êtes heureuses parce que vous êtes porteuses de la vie. Les hommes parlent trop, mais les hommes ne peuvent pas souffrir 9 mois avec une grossesse. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Mais elles ont le cœur. Et à ton voisin, elle dit femme de valeur. Regarde une femme, dis-lui femme de valeur. Regarde une femme ici, regarde une femme ici, femme de valeur. Parce que Dieu veut relever la face de la femme. Oh, je suis en train de voir à mourir des femmes de Dieu, des femmes remplies de l'onction, des femmes remplies de la gloire de Dieu, des femmes qui ne sont pas les femmes. Mais je parle de femmes de Dieu qui ont l'onction de Dieu qui rayonnent. Les Déborah, quand les hommes fuient, Dieu suscite des Déborah. Oh, y a-t-il des Déborah ici? Je vois des Déborah que Dieu va lever parce que ce sont des femmes de valeur. Elles ont une image de Dieu, elles brillent. Amen. Oh, regarde, on va dire, regarde mon visage, ça brille. Mon visage ça brille bien. Même si tu n'as pas mis le fond de beauté, le fond de teint, ça brille. Oula, wow, ça brille. Est-ce que mon visage brille? Alléluia. Alors regardez. L'image de Dieu, c'est quoi? Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit que l'image de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et dans Hébreux, on nous dit qu'il est le Fils, il est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Donc quand Dieu crée l'homme à son image, il voulait tout simplement que l'homme ressemble à Christ. Amen. Voilà pourquoi le premier homme ayant échoué, Dieu a envoyé Christ comme étant le dernier Adam. Amen. L'image de la terre n'a pas réussi. Dieu a emmené une image céleste. Amen. Dieu fit homme pour restaurer l'homme. Alors, quels sont les, je dirais, les bénéfices ou les conséquences de l'image de Dieu? Vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme à son image, la première chose que Dieu a dit, Dieu les a bénis. Dieu l'a béni. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Dis à ton voisin de l'autre côté, dis-lui, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Il n'y a pas de malédiction dans l'image de Dieu. Amen. La malédiction est venue quand l'homme a péché. La Bible déclare d'ailleurs que la malédiction sans cause n'a point de fait. La cause de la malédiction, c'était la désobéissance. Voilà pourquoi nous avons la mort, nous avons la maladie, nous avons l'angoisse, nous avons les problèmes aujourd'hui, problèmes de santé, problèmes de maladie, problèmes de foyers qui sont brisés, des cœurs qui sont brisés. Nous voyons la rébellion des enfants, nous voyons la fornication, nous voyons l'homosexualité, nous voyons l'adultère, nous voyons toutes les mauvaises choses sont venues parce que l'homme avait péché. Il avait désobéi à l'ordre de Dieu et il a perdu l'image de Dieu. Mais lorsque vous avez l'image de Dieu, je peux vous assurer, vous n'avez même pas besoin qu'on vous impose les mains. Parce que l'image de Dieu est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que ce soit que tu puisses retrouver. Peut-être que tu es là, tu souffres, tu es dans une situation difficile, mais parce que quelque part tu avais perdu cette image. Peut-être que tu ne t'étais jamais repenti. Peut-être que tu es encore dans un péché qui te lie. Peut-être que tu es encore dans des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, qu'il faut que l'image de Dieu ne brille pas. La première chose dans Genèse 1, 28, quand l'homme était à son image, la Bible dit Dieu les bénit. La bénédiction, c'est quoi? Quand souvent nous parlons de bénédiction, beaucoup de personnes pensent que la bénédiction, c'est lorsqu'on vous donne une belle maison. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction, c'est lorsqu'on vous donne de l'argent. Lorsque vous avez des belles voitures, ça, ce n'est pas la bénédiction.
Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Amen. Parce que vous pouvez avoir ces choses et être maudit. Yes. Amen. Amen. Ce soir. Amen. Vous pouvez avoir des villas, vous pouvez avoir des comptes bancaires remplis, avoir toutes ces choses, mais être sous le poids de la malédiction, de la condamnation. Tout simplement parce que l'image de Dieu n'est pas en vous. Dieu est béni. La bénédiction, c'est le fait de déclarer les bonnes paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, les bonnes paroles, c'est quoi? C'est ce que Dieu déclare. Parce que quand Dieu parle, la Bible déclare que sa parole ne retourne plus à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible que vous avez entre vos mains contient plus de 5000 promesses. C'est-à-dire que ces promesses-là, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Amen. Les promesses de la Bible sont pour toi. Les promesses pour avoir une bonne santé, les promesses pour avoir le mariage. Si tu es seul, Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir d'aujourd'hui, tu vas retrouver là l'image de Dieu. Tu n'auras plus besoin de mettre des maquillages, des parfums à outrance. L'image de Dieu va attirer le mari. L'image de Dieu va attirer la femme. Oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Des femmes qui sont belles mais qui ne se marient pas parce qu'elles n'ont pas l'image de Dieu. Elles sont remplies des démons de célibat. Le célibat est en toi, le mari ne peut pas venir même s'il vient la fuir. Alléluia. Alléluia. Une jeune fille qui était très belle m'a dit un jour, mais parce que je ne comprends pas. Regarde-moi, je suis belle, regarde. Est-ce que je suis moche? Je dis, non, tu es belle. Mais comment ça se fait que toutes les jeunes là que je vois, elles sont moches, elles se marient? Le problème, ce n'est pas d'être moche. Le problème, c'est d'avoir l'image de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui l'image de Dieu. L'image de Dieu. Dans l'image de Dieu, il y a la bénédiction. Quand Dieu vous bénit, Dieu vous accorde sa grâce. Quand Dieu vous bénit, Dieu vous accorde sa faveur. Quand Dieu vous bénit, Dieu vous donne sa parole. Et sa parole en elle-même est une bénédiction. Quand Dieu vous bénit, il vous donne Jésus. Qui a Jésus ici? Si tu as Jésus, sache que tu es béni. Chose, tu as besoin d'avoir d'abord Jésus. La Bible dit, béni soit le Dieu notre Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Si Jésus est en toi, c'est que tu es béni. Oh, je connais un homme qui n'avait pas l'argent, qui n'avait pas l'or, mais il a vu quelqu'un qui était paralytique. Oui, à la porte de la belle à Jérusalem, il dit, écoute, moi je n'ai ni or, je n'ai ni argent pour te donner. Ces choses qui ne peuvent pas te faire marcher, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Le nom de Jésus a fait les deux paralytiques. Le nom de Seigneur, ce que le médecin ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Ce que ta famille, ce que ta famille ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Ce que ton homme ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Ce que la société ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Dis, Jésus est ma bénédiction. Béni. Et regardez la conséquence de la bénédiction. La première conséquence de la bénédiction, parce que tu es l'image de Dieu, Dieu dit soyez fécond. Amen. Être fécond veut dire être prospère. Je vais donner, faire l'église, parce qu'il y en a qui comprennent mal la prospérité. Parce qu'on pense que quand on parle de prospérité, tout de suite c'est l'argent. Non. Dans 3 Jean 2, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois prospère. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit vivre. Oui, ta vie doit donner du goût aux autres. Amen. Tu n'es pas stérile. Le contraire de la fertilité, de la fécondité, c'est la stérilité. Dieu ne t'a pas créé pour être stérile. Dieu t'a créé pour être prospère. Dieu t'a créé pour être fertile. Dès que Dieu, tu dois porter du fruit. Ton fruit en abondance. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits et des fruits qui demeurent. Lorsque l'image de Dieu est en toi, tu vas porter des fruits. Au travers de toi, tu vas gagner les âmes à l'église. Parce que tu es porteur de vie. Alléluia. Pour quelqu'un ne m'a pas compris. Au travers de toi, tu vas donner le coup aux autres de servir Dieu. Au travers de toi, tu vas être prospère. Oui, quand tu arrives quelque part, tout va changer. Écoutez,
Joseph, même dans la maison de Potiphar, vendu comme esclave, tu as les chaînes. Mais arrivé dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar prospère. Donc j'ai compris que le problème, ce n'est pas être esclave. Le problème, ce n'est pas d'être mauricien. Le problème, c'est d'être prospère. Parce que si je suis prospère, tu ne peux pas m'empêcher d'être fécond. Tu ne peux pas m'empêcher de porter des enfants. Tu ne peux pas m'empêcher de m'étendre. Tu ne peux pas m'empêcher parce que j'ai la sémence. Je deviens comme une source. Dieu dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Tu n'es pas seulement béni, mais tu deviens une source. C'est-à-dire au travers de toi, les gens doivent venir puiser. Est-ce que je parle à une personne ici? Le don que Dieu t'a donné, le don de guérison, le don de prophétie, le don, je ne sais pas quel don, la louange, le chant, ça fait de toi quelqu'un qui doit attirer les autres vers Dieu. Je deviens un canal de bénédiction. Je suis béni et je suis devenu une source de bénédiction. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prospère à tous égards. Et vous connaissez, vous savez le secret pour être prospère financièrement? Adorez Dieu, servez Dieu de tout votre cœur, servez-le avec vos dîmes et offrandes, soyez fidèles, vous allez voir, quand tu sèmes, la Bible dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Oh, tu n'as pas compris cette parole. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas compris cette parole. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je vois quelqu'un qui a l'onction, un enfant de Dieu qui a l'onction, je sème dans sa vie. Vous savez pourquoi? Quand je sème dans sa vie, je sais que je vais récolter. Parce qu'il y a la loi de la sémence et de la moisson. Tu es béni. La Bible dit celui qui bénit Abraham est béni. Amen. Qui est fils d'Abraham ici? Tous ceux qui ont la foi. Qui a la foi ici? Qui a la foi? Si tu as la foi, c'est que tu es fils d'Abraham. C'est que tu es fils d'Abraham. C'est-à-dire, lorsque les sorciers de ta famille te maudissent, en réalité, ils se maudissent eux-mêmes. Parce qu'on ne peut jamais jeter de pierre sur un arbre qui n'a pas de fruit. Amen. Si on jette des pierres sur toi, c'est que tu es important. Si on cherche à te manger au travail, c'est que tu es important. Et si vous voulez dire à quelqu'un, l'image de Dieu peut devenir quelqu'un d'important. Arrête de pleurer parce que j'ai des attaques. J'ai que le combat, c'est normal. Parce que je le fais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui ne produit rien? Il n'y a que des personnes. Même la société n'a pas besoin de toi. Pourquoi est-ce qu'on protège les hommes d'État? Parce qu'ils sont importants. Mais je veux te dire, dans le royaume de Dieu, tu es important. Elle m'a dit à ton voisin, tu es important. Tu es important. Alors sois prospère. Sois prospère. Pour être prospère, il faut éviter le péché. Amen. Évite le mensonge. Évite le vol. Évite la fornication. Évite l'adultère. Évite l'idolâtrie. Toutes les mauvaises choses qui amènent la malédiction, évite-les. La bénédiction de Dieu. Amen. Joseph, même en prison, on le met là. On discerne que non, ce gars-là, c'est lui qui va faire prospérer la prison. C'est-à-dire, partout où tu es, les choses prospèrent. Il est impossible que dans mon ministère, je passe quelque part et que les choses s'égalent. Non, mon passage, j'ai toujours dit, le bon passage amène le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Donc, peut-être que je suis venu là. La vérité. Et donnez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de venir de rigoler là. C'est la vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît la présence, le passage des noms de Dieu par les signes de Dieu. Lorsque Élisée passait quelque part, la femme sunamite a dit non, cet homme est un saint homme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils ont vu en lui quelque chose. Lorsque Samuel arrivait quelque part, on disait ton arrivée apporte-t-elle quelque chose de bon? Amen. La présence d'un homme de Dieu. Oh, quand je parle d'un homme de Dieu, ce n'est pas forcément le pasteur. Toi aussi tu es un homme de Dieu. Toi aussi tu es un homme de Dieu. La présence quelque part doit abonder avec quelque chose de tout. Tout ce qui sort dans l'image de Dieu, dans la bénédiction. Dieu dit multiplier. Amen. Multiplier. Oh, amen. Tu n'es pas appelé à l'addition. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Beaucoup de gens aiment bien l'addition. 2 plus 2. 4. Non, je dirais 10 plus 10. 10 fois 10. 100. Tu as compris? Tu n'as pas compris. 10 plus 10. Égale combien? Mathématiques, ça. 10 plus 10 égale combien?
10 fois 10, c'est bien combien? 100. Qui veut 10 plus 10? Qui veut 10 fois 10? Amen. Dieu est le premier mathématicien. Amen. Ça, tu n'as pas compris. Il dit multiplier. Le mot multiplier veut dire devenir grand. Amen. Multiplier veut dire croître. Multiplier veut dire augmenter. Donc, quand l'image de Dieu est sur toi, même si tu commences petit, attends-toi à la grandeur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as commencé une petite affaire, avec quoi, peut-être quoi, 2000 roupies, 3000 roupies, ça c'est aujourd'hui. Mais je te donne quelques temps seulement. Après quelques temps, on ne te reconnaîtra plus parce que le Dieu que tu pries va le prendre et va le multiplier. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui est sur toi, Dieu doit multiplier cette grâce. Je suis venu dire à cette église, ne vous limitez pas à une église, à deux églises. Voyez déjà grand. Quand je commençais l'église, nous étions que cinq, moi, ma femme et les trois enfants. Mais je commençais à prophétiser, j'ai dit Rambachanda, cette église est une église de nation. Cette église, je refuse que d'avoir une seule nation. Et à l'église, ils sont là, tellement nous sommes 17 nations. Amen. Et en 3 ans de ministère, nous sommes plus de 200 personnes déjà à Paris. En 3 ans, c'est beaucoup. Amen. Pour ceux qui connaissent le terrain de la France, c'est pas évident. Et en plus de ça, nous avons 3 églises en Côte d'Ivoire d'implanter. Nous avons une église au Canada d'implanter. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je veux dire que la sémence de Dieu est en toi. Comme Dieu a appelé Abraham, Abraham était stérile. Abraham, plutôt, je dirais, sa femme, Sarah, était stérile. Mais Dieu lui dit quoi? Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je te rendrai fécond à l'extrême. C'est-à-dire, Dieu a promis à Abraham la multiplication. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle seul. Mais derrière toi, il y a des milliers de personnes. Dieu veut que tu puisses multiplier. Il est impossible que tu sois là, soit être l'image de Dieu et ne pas multiplier. Amen. Même quand Jésus était né, il était encore bébé dans la crèche, les mages sont venus. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Donc, quand tu es bébé, les mages viennent. Et quand tu es grand? Amen, Jesus. Est-ce que tu as compris cette parole? Amen. Lorsque tu es petit, tu as déjà 2-3 personnes qui sont là. Une petite entreprise. Mais quand tu seras grand, ça sera comment? Je suis venu te dire que laissez le temps au temps, laissez-les se moquer de toi. La Bible dit ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Amen. Aujourd'hui, je suis peut-être dans les faibles commencements, mais dans l'art des temps, je mange la parole, je bois l'eau de l'esprit, je crains Dieu, j'ai la foi, j'ai mon église, je travaille. Bien-aimé, en faisant ces choses, sans le savoir, tu deviens grand. Avez-vous déjà remarqué qu'un enfant devient grand? Un parent qui vit avec son enfant, c'est difficile de remarquer de l'avoir grandi. Mais c'est pas toi de ton enfant pendant un an. Oh, Marie-Jeanne. Il y a Marie-Jeanne qui dit. Si c'est toi, c'est pas toi. Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu as grandi? Pourquoi? Parce que tu as mis du temps, tu ne l'as pas vu. N'est-ce pas? Amen. Je suis venu te dire que tu grandis sans le savoir. Amen. Avez-vous déjà vu un jeune un garçon de 20 ans prier, dire Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la barre. Un enfant de 5 ans peut demander la barre, mais ce n'est pas encore le temps. Même si le prix du jeune, il n'aura pas la barre. Mais quand tu atteins 20 ans, que tu le veuilles ou pas, tu auras la barre. Quelqu'un entend cette parole? C'est pour dire qu'il faut grandir. Alléluia. Dieu dit multiplier. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui multiplie. Je suis en train de voir une femme, un homme qui est en train de prendre. Dieu est en train de grandir. Alléluia. C'est pourquoi grandir dans la parole. Quand cet enseignement vient, tu vas grandir dans la parole. Le ministère qui sommeille en toi va sortir. Quand tu as l'onction, viens grandir dans la vie de jeûne et prière. Tu vas voir que ce que tu as mis en toi. Amen. Et Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Ne fais pas l'effort d'être grand. Le monde aujourd'hui cherche à être grand. Vous savez comment? Il faut tuer les autres pour régner. C'est ça le principe de ce monde. Pour être grand, je dois salir les autres. C'est pourquoi tous les serviteurs même de Dieu qui le font, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de dénigrer les autres pour que toi tu sois bon. Tu n'as pas besoin de ça. Sois fidèle à Dieu. Toi qui rendras ton nom grand, monsieur, rendras ton nom grand. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce soir? Monsieur.
élève le pauvre, tu fuis l'indigent et il le fait asseoir avec les grands et les grands de ton peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un grand homme et tu es une grande femme. Que personne ne te minimise, même les enfants que vous voyez. C'est eux le futur grand de demain. Amen. Je pourrais prier pour imposer leur les mains, même les pieds, pas avoir recevé au nom de Jésus. Une princesse. Amen. Dis de toi, tu vas réussir. Amen. Toi, moi déjà, mon fils, je dis, toi, tu seras pilote parce que bientôt j'aurai mon jet privé. C'est toi qui vas prendre. Amen. En un peu 6 ans, quand tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Moi, je serai pilote. Ça vient d'où? De son papa. Et le papa céleste a déjà dit, tu es grand. Toi, tu te dis, je suis petit. Non! Les enfants d'Israël, quand ils sont allés à Canaan, ils ont dit non, on a trouvé des géants, les enfants d'Anna. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, comme tu t'es vu toi-même une sauterelle devant quelqu'un, tu n'entreras pas. Amen. Mais il faut les Josué, il faut les Caleb, il dit le pays est bon. Nous allons prendre cela. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Maurice, c'est à toi. Amen. Les richesses de Maurice sont à toi. Amen. Alors, je dis la bénédiction de Maurice, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Amen. Les riches là, les francs-maçons, les sorciers là, tout leur bien là, ça viendra à l'église pour l'évangile. Oui, je fais le transfert au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu es là, tu fais le nom de Dieu, tu souffres, donne-le. Ah, ça va venir. Amen. Qui a nourri Eli, le corbeau? Il venait d'où? Où est-ce qu'il prenait cette viande là? Adieu. Quelqu'un a compris? Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a une viande quelque part pour toi. Amen. C'est destiné pour toi. Amen. Le corbeau sans GPS, sans direction, Dieu va le conduire depuis là où il est jusqu'à toi. Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Troisième chose à l'image de Dieu. Dieu dit, remplissez la terre. Remplir la terre veut dire élargir. Amen. C'est l'argent. Dieu, dans son image, il voyait que le monde entier est rempli des hommes, mais à l'image de Dieu. Imaginez le monde entier. Vous venez à Maurice, vous allez à La Réunion, vous allez à Seychelles, vous allez à Rodrigue. Tout le monde adore Jésus. Amen. C'était ça le plan de Dieu. Amen. C'est que l'image de Dieu se répandait partout. La raison pour laquelle le diable fait tout pour détourner les gens de Dieu. Mais toi, parce que tu as l'image de Dieu, comprends que Dieu veut que tu puisses régner. Dieu veut que tu puisses, oh mon Dieu, t'agrandir. L'espace que tu as là, c'est trop petit. Quand je vois ces mais pourquoi vous êtes ici? Là, ton voisin, tu lui dis, tu vois, pas qui c'est petit. Tu lui as pas fort, mais c'est petit. Qui veut? Tu sais, dans d'autres pays, on peut fermer la route ici, on peut l'agrandir. Mais bon, je sais pas ici si c'est faisable. Mais il y a quoi derrière? Mais il y a des maisons. Des maisons? Je n'ai pas compris que Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 54, élargis l'espace. Vous savez, je vous donne tout à l'heure l'exemple de quand l'église a commencé. À la maison, c'était dans mon salon, c'était impossible de mettre 30 personnes. En deux mois, il y avait 30 personnes et les gens étaient s'assoyés même dans les chambres. J'ai dit non, on doit trouver un autre endroit. On a trouvé une salle, c'est devenu petit. J'ai dit, il faut qu'on trouve un autre endroit. On a trouvé, c'est encore devenu petit. On a trouvé un autre endroit, là où il y avait le voisin qui nous a mis des problèmes, nous sommes partis, nous avons trouvé encore un autre endroit. Et ça commence encore à devenir petit. Là, j'ai déjà une stratégie, on va déjà commencer deux cultes. Après deux cultes, on achète un endroit. C'est ça. Amen. 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 On achète. Amen. Voix grand. Voix grand. Non, non. Voix grand. Voix grand. On t'a dit que non, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Alors, tu veux quoi? Un garçon, une fille. Ok, si tu veux une fille, va déjà au magasin. Commence à choisir les envies des enfants. Tu fais quoi? Je suis en train de préparer la maternité. Amen. Le bébé n'est pas encore là. Je vous dis, il y a des actes de foi. Amen. Quand tu as l'image de Dieu, ne réfléchis pas comme tout le monde. Tout le monde dit, mais oui, le médecin a dit. Nous avons une soeur à l'église que vous connaissez. Le médecin dit, madame, vous avez un problème, les trompes sont bouchées, vous n'enfanterez jamais.
Elle est venue devant moi et pleurait. Je dis, femme, tu vas enfanter. Je l'ai pris, je l'ai posé la main au nom de Jésus. Je dis, là où il y avait des règlements, maintenant même la puissance de Dieu te pénètre. Deux mois après, sans manger, le ventre gonfle. Vous avez compris, non? Sans manger, le ventre. Et aujourd'hui que je vous parle, ils ont un beau bébé. Je suis allé chez eux, en plus ils ont acheté une belle maison. Je leur ai dit, vous voulez maintenant quoi? Des jumelles? Pourquoi tu crois au médecin? Le médecin n'est pas ton Dieu. Amen. C'est un homme comme toi. Amen. L'image de Dieu, aide-moi à dire à ton prochain l'image de Dieu. L'image de Dieu. Je veux finir, l'image de Dieu. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me j'avais été autant de bonne, Jésus, aurais-je été indulgent devant la foi des tiers?